Donc c'est Yoriel Desrosiers pour Ultime Radio en compagnie de Guylaine Tremblay et Denis Bouchard qui présentent leur pièce de théâtre pour Ça se joue à deux. Un retour ensemble après Nier ses hommes, vous devez l'entendre souvent de toute façon. Ça fait quoi pour vous de vous retrouver ensemble comme ça sur un projet avec des tournées et tout ça ensemble? Ben, ouais, c'était notre but, hein? Oui. Tu sais, parce qu'on se disait, sincèrement, après 7 ans d'Annie et Hugo, on disait on n'est pas à veille de rejouer à télé ensemble, tu sais, parce qu'on est trop identifiés pour le moment à ces personnages-là. Puis comme on avait envie de jouer ensemble quand même, on s'est dit, ben, ce qui reste, c'est le théâtre, tu sais, ça, on a toutes les libertés, fait qu'on a décidé de poursuivre notre, si tu veux, notre association au théâtre. Okay, on aime ça jouer ensemble. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bon, pourquoi on bouderait notre plaisir, tu sais, on va se créer notre job, on n'attendra pas que les gens nous appellent. De toute façon, ils ne nous appelleront pas ensemble. Puis, alors, ça s'est fait très, très naturellement. Puis, on a demandé aux mêmes auteurs qu'Annie et ses hommes, Annie Pierrard puis Bernard Danseau, mm-hmm. avec qui sont devenus des amis au fil des années, s'ils n'avaient pas le goût de s'embarquer avec nous autres dans un autre projet. Donc, évidemment, ce n'est pas Annie puis Hugo sur scène. Pas du tout. On joue 4 couples. On avait le goût de jouer plusieurs personnages. C'est une comédie, c'est une seule et même histoire, mais vue à travers 4 points de vue différents, 4 couples. 4 couples, différents moments. C'est ce qu'on dit avant le show, on prend quelques minutes pour parler aux gens, on dit c'est 4 couples qui ne sont pas rendus au même temps de l'amour. Vraiment okay. pas, tu sais. C'est un couple d'adolescents qui en sont à leur premier amour, leur premier émoi amoureux. T'as un couple qui ça fait 61 ans qu'ils sont ensemble. T'as un autre couple qui ça fait 24 ans qu'ils sont ensemble et qui essayent de se divorcer dans l'harmonie, mettons. Ah, amicalement. Amicalement. Et puis t'as un couple avec de grandes différences d'âge qui essaie d'avoir un bébé. Donc, on est ouais. Oui. Oui, 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 tout à fait. Mais c'était notre défi comme acteur. Nous autres, on voulait jouer plusieurs personnages. Ce qu'on peut pas faire à la télé. Non, ce qui est proche de toi, là. Pas de perruque, bon. Pas de lunettes, non, pas de costume, moustache, pas rien. On est habillés en noir, puis on joue tout. Vous parlez de la télévision, vous faites également de la télévision, on peut voir Guylaine dans les Rescapés également. C'est quoi pour vous la différence entre justement le théâtre et la télévision? Parce que souvent, les acteurs voient beaucoup de différence entre les deux. Il y en a beaucoup. C'est live, hein? Ouais. Le théâtre, c'est un art vivant, ça bouge à tous les soirs, tu sais. Ce show-là, quand on l'a commencé il y a un an, et aujourd'hui, ça a bougé énormément, et pour cause. T'sais. Je te dirais que c'est l'instantanéité du théâtre qui est le fun aussi. Le public qui est là, tu le sais tout de suite si ça marche ou non. T'sais. C'est quelque chose de sportif, le théâtre, à comparer à la télé. Là, c'est unique. À chaque soir, comme il dit, une représentation n'est jamais tout à fait pareille à une autre. Donc, c'est une rencontre entre nous et le public, mais direct, ça se fait en direct. Donc, ça nous fait plaisir, puisque nous autres, on est des acteurs de théâtre avant tout. Tu sais, les gens nous connaissent par la télé, évidemment, mais on a fait beaucoup de théâtre. Moi, j'ai commencé ici à Québec, d'ailleurs, tu sais. J'ai fait mon conservatoire ici. Puis j'ai fait mes premières années ici au théâtre. On jouait beaucoup, beaucoup. Ce qui m'a donné une expérience formidable, tu sais. Une petite anecdote d'improvisation en théâtre, justement, que... oublie un texte ou pas nécessairement dans Ça joue à deux, mais peut-être une autre pièce de théâtre ou une anecdote que vous vous rappelez qui a pu se produire justement, qui a fait amener le public à rire encore plus ou... Ben, dans Ça joue à deux, on est juste deux. Alors, c'est évident que si tu dis pas le bon mot, ça pourrait faire rire l'autre. Cette année, tu t'es trompé, t'as dit quoi donc? Incontinence au lieu d'infertilité. Alors, c'est très rare qu'on ait des fous rires, on est assez rigoureux, mais là, j'ai éclaté de rire, là, parce que... Ah, tu me l'apprends? Incontinence, là, c'est... Oh boy, OK. Mais tu sais, des fois, c'est sûr qu'il arrive des affaires comme ça au théâtre, mais il faut que tu fasses avec. C'est ça le défi. Mais c'est pas notre but de provoquer ça. Non, non. On n'aime pas beaucoup dire les fous rires. Parce que toi, quand tu ris sur scène, à un moment donné, les gens rient moins. Okay. C'est à eux autres de rire. Nous autres, on essaie de rester vraiment hyper rigoureux dans le personnage. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'en vient pour vous? Du côté de Denis, je sais qu'il y a le film de l'an 50 qui s'en vient. Oui, ça les Rescapés de Glenn. Puis, Ladies Night, qu'on va reprendre après les fêtes, qu'on va venir jouer à Québec aussi. Une pièce qui avait eu bien du succès de milieu des années 2000, puis qu'on va venir reprendre là, dans la nouvelle décennie. Ben, c'est vrai. Puis, c'est ça, il y a toute la vérité qui se continue aussi. Puis moi, ben, je vais reprendre Belle-Sœur au mois de mars. On recommence
une série de représentations de Belle-Sœur, puis le tournage des Rescapés qu'on va recommencer probablement au printemps. Puis des Ça joue à deux. Puis, oui, des Ça joue à deux, on en rajoute, oui. Nous autres, tant que le public en veut, puis qu'on a un plaisir à le faire, on va le faire. Excellent. Donc, pour les dates de Québec, il y a ce soir, dans le fond, à Lévis. Ce soir. Demain, Montigny. Demain, puis c'est surtout que, ben moi, je suis bien excitée par ça, parce que même malgré toutes les années que j'étais à Québec, j'ai jamais joué au Capitole. Okay. Donc, 28-29 janvier, on était au Capitole. Oui. Des beaux cadeaux de Noël. Des beaux cadeaux. Ouais, non, ça se donne super bien, des beaux billets comme ça. Donc, ben, je vous remercie infiniment. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. C'était Gabriel Desrosiers pour Ultime Radio.